acteur Eden McGoffin. Maestro Emile, tu as prié de venir nous rejoindre ici, s'il te plaît. Ce soir, nous voulons t'offrir ce livre de souvenirs, ce livre d'honneur, un livre qui porte les marques de notre reconnaissance, de notre affection, de notre gratitude envers toi, pour non seulement ce que tu es, mais également pour ce que tu fais dans la communauté. Un homme grand. Un homme serviable, compatissant. Maestro Emile, ce livre d'honneur, nous savons que tu prendras un vilain plaisir à le lire. Il te fera sourire, car tu verras tes amis, tes collègues, tes pasteurs qui t'ont écrit leurs petits mots d'amour, d'affection, d'admiration. Et lorsque ce soir sera relayé aux choses du passé, nous savons que ce livre d'honneur te restera et te rappellera combien aimé, apprécié, admiré, affectionné de nous tous tu es. Alors, Maestro Emile, que Dieu te garde encore, encore longtemps, longtemps, longtemps et longtemps parmi nous. Qu'il te préserve de toute chute. Et au nom de tous ceux ici présents ce soir, en mon nom personnel, et sous la toute bienveillance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous te souhaitons bon 50e anniversaire de ministère. Ce que j'ai oublié, c'est que Maestro Emile, deux semaines de cela, il n'est plus un simple maestro, j'avais dit, il est révérend docteur Maestro Emile Saint-Hilaire. On applaudit. Maestro Emile, les mots nous manquent ce soir pour pouvoir te témoigner notre reconnaissance. Ce n'est que le début de ce que Dieu est en train d'investir en vous. Je vais laisser la parole à mes autres confrères du conseil d'administration. Nous vous souhaitons bon 50e. Maestro Emile, le mot merci est le mot le plus commun, mais également le mot le plus fort. Et il y a une façon toute particulière de remercier des gens comme vous. Je vais laisser la place à Pasteur Innocent. Estimable docteur, je vais vous lire la plaque d'honneur de l'Église évangélique Philadelphie, honneur et mérite au maestro Émile Saint-Hilaire, qui, par son travail assidu et sa fidélité dans le service, a contribué et contribue encore au progrès de l'Église
évangélique Philadelphie. À tout Seigneur, tout honneur. Il y a d'autres pour qui l'on vive. Et il y en a d'autres pour qui l'on aimerait vivre et mourir. Vous êtes une de ces étoiles rares dans le firmament de notre existence. Spirituel, vous avez une église derrière vous. Œuvre communautaire, vous avez une communauté qui vous admire et supporte votre service. Envers et contre les avis du temps, 50 ans par rapport à l'éternité, ce n'est qu'une bribe d'espace. J'ai entendu les frères de l'administration vous demander, vous souhaiter de vivre longtemps. Les plaques, les fleurs, les parfums se fanent à travers le temps. J'aimerais que vous marchiez avec la tête altière jusqu'à la matinée éternelle où celui qui vous a conduit de l'enfance jusqu'à ce moment vous dira dans les parcs vie éternelle, entrez dans la joie de votre maître. Connus pendant les 50 ans, ont contribué à votre maturité, à faire de vous ce que vous êtes, homme accompli, homme d'expérience, homme de simplicité, homme de foi, homme de conviction, homme de famille, homme d'église, homme de communauté. On salue la majesté du Dieu que vous avez servi et que vous servez encore, mais on salue votre œuvre de 50 ans ce soir. Le mot le plus simple, le mot le plus fort, le mot le plus extraordinaire. J'aimerais que vous me regardiez en face. Vous êtes un homme aimé. Maestro. Maestro, c'est avec plaisir que je vous présente la plaque de la grande chorale et de la chorale missionnaire. Nous vous aimons. Maestro. Nous pouvons témoigner qu'aujourd'hui, notre communauté n'est pas pareille parce que tu es un pilier. Tu es une légende qui a influencé nos églises, notre communauté, nos chorales, nos ministères. Nous glorifions le Seigneur pour l'homme que tu es, pour l'appel que tu as répondu. L'église évangélique Baptiste Bethesda et le pasteur Fritzberg qui aurait aimé être là ce soir, aimerions t'offrir cette plaque qui dit simplement 50 ans de ministère, 50 ans de grâce et faveur du Seigneur. L'église évangélique Baptiste Bethesda se réjouit avec toi et proclame avec toi, loué soit Dieu. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse. Okay,
Alexis, déco évangélique de Beaufort. Maestro Émile Saint-Hilaire, un homme qui a contribué à, je ne veux pas être personnel, à notre fierté haïtienne et notre fierté évangélique. Docteur Maestro Émile Saint-Hilaire, votre travail, votre dévouement et votre engagement au ministère de la musique évangélique contribuent grandement à l'épanouissement de l'Évangile. Gloire à Dieu pour votre contribution inconditionnelle depuis 50 ans. Avec affection et amour, nous souhaitons Semper Excelsior. Écho évangélique, chapitre Boston et Montréal. D'applaudir la chorale, s'il vous plaît. Maintenant, le maestro va vous présenter ses mots de remerciement. Merci. Tout à l'heure, heureusement, mes filles savent très bien. Je demanderai à ma femme de me rejoindre et mes filles. Ainsi que le comité qui a organisé cette célébration. Je demande à ce comité de me rejoindre en avant. Pasteur Eden aussi, c'est-à-dire, il sait très bien, ou du moins, tout le groupe, que je ne souffre pas de cœur. C'est quoi? Tout à l'heure, si je souffrais le cœur, ça allait arrêter, ça allait vraiment... C'est vraiment tout ce qui se faisait, je ne m'y attendais pas vraiment. Le pasteur était assis à côté de moi, Pasteur Eden. Je vois qu'il y a des coups de fil qui se font, mais après je ne l'ai pas vu. Il y a un chant qu'on a chanté depuis me trouver Jésus, mais je ne savais pas si on allait chanter des chansons comme ça ici. Et puis je sais que c'est un chant que le pasteur aime beaucoup parce que presque chaque dimanche il voudrait que la grande chorale exécute ce chant à l'église. Et puis j'ai dit à sa femme, mais il a perdu, il sait qu'il est parti, je ne sais pas. Sa femme me dit, non, il est quelque part. Et puis c'est comme ça. Et Vianney Richéa, quand elle a parlé, j'étais content quand même de donner, n'est-ce pas, le parcours, tout mon parcours dans la musique. Mais après, quand on m'a demandé de m'avancer en avant, comme vous avez pu remarquer, je plairais. Heureusement, avant de monter sur la chair, sur la scène, j'avais pris mon mouchoir. Ça, voilà, c'est vrai. Merci beaucoup. Je dis merci à ce comité, à ma femme qui m'a supporté, mes trois filles, comme vous avez vu, Maïsou, Linda, Nadine, Emily. Donc, merci beaucoup, trois jolies demoiselles. Elles ne sont pas encore mariées. Laissez-moi vous dire que le comité que je vais vous présenter il y a de ce côté, c'est Déborah Eli, Cathy Dora Pierre, Demi Apolléon, Natacha Pierre, deux sœurs, et Mirna Betati. Il y a aussi Rika François.
un an, ce comité a travaillé très, très. Fredo, ouais, Fredo, j'ai pas mes idées de ça avancer. Fredo, ouais, tu. Ok, ok, Fredo. Fredo aussi, c'était fou pour le conservatoire. C'était un homme qui aime tellement la voix du conservatoire. Je suis là pour dire que je suis fier de ce comité. Ce comité travaille tellement dur. Parfois, ma chambre est tout près de la chambre de Linda. Vers minuit du matin, j'ai entendu qu'elle parlait au téléphone. Mais je ne dis pas ceci avec un gars. Mais quand je me suis renseigné, c'est elle et Natacha Pierre qui parlaient souvent, très souvent, chaque soir presque, jusqu'à minuit, 1h du matin, au téléphone pour, n'est-ce pas, préparer pour cette grande fête. Et les autres personnes qui ont travaillé tellement fort. Je n'ai pas de prix pour vous, je vous aime beaucoup. Je vous aime beaucoup. Comme vous avez pu remarquer dans la chorale, il y a beaucoup de solistes, il y a beaucoup de maïsous aussi. Vous voyez ce qui arrive ce soir. Je voulais seulement, c'est un chant que je vais composer pour donner gloire à Dieu. Parce que pour tout ce qu'il a fait pour moi, je ne sais pas si vous avez écouté les paroles de ce chant. Moi, je ne veux pas vous retenir parce qu'ils vont. Bon, la chorale va chanter pour vous un dernier chant, c'était le medley, qu'on dit créole, mais c'est l'immérité et d'honoriser quand même. Je tiens à remercier tous les pasteurs qui sont dans cette salle, et notamment c'est déjà fait, les pasteurs de Philadelphie, il y en a beaucoup, pasteur Eden, pasteur Innocent, pasteur Bourgoin, ils sont tous allés à les autres pasteurs, les autres collaborateurs. Le CA, ça dit comité d'administration de mon église. Et puis le geste que vous venez de faire, ça va directement. Ça me fait vraiment plaisir. Premièrement pour votre présence et d'avoir pensé à me faire cette surprise. C'est vraiment une surprise. Je dis merci à vous tous qui êtes dans la salle. Vous tous qui venez célébrer avec moi, avec la chorale, 30 ans et 50 ans. Comme vous avez entendu le discours de Madame Vianney, je n'ai pas besoin de reprendre. Il y a aussi des gens qui viennent de Boston, comme vous avez pu remarquer. C'est vrai, ça me fait chaud au cœur. Il y a des jeunes, près de 25 personnes qui viennent de Boston, le monsieur que vous avez vu, le président de l'Épo évangélique, quand il savait qu'on allait faire ce concert pour célébrer notre Seigneur pour moi, il m'a dit qu'il allait venir. J'ai dit, il avait dit non, ce n'est pas nécessaire parce que le 1er septembre dernier, il vient d'enterrer sa femme. Il vient d'enterrer sa femme, c'est-à-dire sa femme est partie pour l'éternité. Ça m'a vraiment touché. Il vient avec 15 personnes, 5 personnes dans pour l'écho évangélique et puis 10 autres personnes qui sont venues avec lui. J'ai aussi une délégation de l'église des pasteurs Soligny Védrine. Sa fille est là, je pense aussi qu'il est là. Merci beaucoup. Il y a aussi un membre qui était là quand j'ai commencé, très jeune. Elle est là aussi dans la salle. Je veux. Elle continue à chanter encore, c'est la sœur Clotilde et madame Eliezer Romis qui elles sont dans la salle. Je veux qu'on applaudisse. Merci à vous tous qui êtes ici ce soir. Maintenant, je vais présenter. Merci à la chorale. Merci. Vous êtes formidable. Formidable. Merci.
Je ne peux pas citer vos noms parce que vous êtes nombreux. Vous avez travaillé très fort. Les musiciens qui est responsable de l'arrangement pour tous les instruments, les bras, c'est Monsieur Ralph. Je demande à votre Ralph. Nous avons alors mon élève, que nous venons, c'est Gosse Emmanuel, de l'église de la République. Nous avons à la basse, ici c'est Alex. Nous avons aussi David, je ne sais pas s'il est quelque part qui est aussi basse, je ne sais pas s'il est mon père. Nous avons à la batterie un ancien étudiant aussi, c'est Darwin, jeune, que tout le monde connaît. Pour les bras, nous avons au trombone, Maria Cusco. À la trompette, Andy King. Le saxophone, Giovanni Arteaga. Et il y a des autres musiciens. Ce sont des collègues, c'est Jacobson, Telfort, c'est lui qui travaille avec moi toujours dans les albums de Final FV. C'est Jacobson, c'est lui, le guitariste. Et puis l'autre, le petit gars, c'est Simon, mon enfant. C'est lui qui propose beaucoup de chants pour les conservatoires en Macroix. Merci Étienne. Et puis maintenant, je tiens à remercier les groupes. Comme Pasteur Daniel, c'est au conservatoire qu'il a commencé à chanter. Pasteur Gabi, qui est là. Merci. Pasteur Maggie, qui chantait tout à l'heure, elle est à côté. Je remercie Pasteur Carlos aussi, qui a permis à moi, à Madame Maggie, de venir avec nous dans les pratiques. Merci beaucoup. Je tiens à l'expérience. Evans, c'est lui qui est là, mais Paul n'est pas là, mais tout le groupe était là, ça me fait un plaisir. Je tiens à remercier toutes les autres personnes qui sont là, il y a Aaron, Christophe est un ami de longue date, c'est des CKUT, alors c'est en anglais CKUT, alors qui, dimanche après dimanche, j'ai appris qu'il a fait des soirées, les annonces. Pour moi, merci Evan. Nous avons aussi l'écho évangélique de Montréal, pas de prix. Merci. Elles sont toujours là pour m'aider. Alors, nous avons l'écho évangélique de Montréal, Patrick Rouault. Je pense que toute l'équipe est dans la salle. Je vous souhaite dimanche depuis au mois de juin. On fait les annonces dimanche après dimanche. Merci beaucoup. Pour les sons, nous avons Fredo qui est responsable de ça. Et nous avons Bob en arrière. Et toute l'équipe. Merci. Il y a un autre membre du comité qui ne peut pas descendre ici, mais qui travaille très fort. Il est un champion. C'est Jotli Debros qui a eu une opération. Je demande à quoi d'applaudir pour moi, Jotli. Il avait un pied cassé. On avait fait une première opération. Et puis, mais de l'homme, il travaille avec le comité. Mais savez-vous que mardi et lundi, on lui a dit de rentrer à l'hôpital pour faire une autre opération. Il est rentré le mardi dernier, j'étais avec lui pendant toute la journée. Et puis, il demandait au médecin quand est-ce qu'on va lui envoyer à la maison. Il veut être au concert parce qu'il est en haut. Et puis, comme ça, on a dit qu'il faut qu'il attende. Mais on l'a mis dehors jeudi. Depuis vendredi, il vient ici pour arranger des affaires ici. Il est en haut, il ne peut pas descendre parce qu'il est là avec ses béquilles là. Alors, on a notre Jotli là où vous êtes. À vous tous qui êtes ici, merci Pasteur Caleb d'être venu. Merci pour tout le passé, Pasteur Clémy. Donc, merci à vous tous qui êtes ici. Merci.